Survivor. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. C'était un résumé concis. Et salut à tous et à toutes, bande de roguelikers, et bien, bienvenue même sur ce quatrième épisode de Rogue Survivor. Et donc la dernière fois nous étions morts dans d'atroces souffrances, dévorés par un zombie master, et nous nous sommes régénérés, enfin plutôt réincarnés parce qu'on n'est pas dans Doctor Who. À mon grand regret. Et donc nous étions réincarnés dans le corps de cette pauvre femme. Et donc c'est parti, on va se débarrasser des planches parce que barricader ça sert un peu à rien. Des motos, ça c'est pas bon par contre. Ça c'est doublement pas bon. Quoique encore si j'avais genre un blouson de motard, ça pourrait peut-être le faire. Hop. Oh, fusil. Un fusil. Moi, je dis oui. On va se débarrasser des bandages. Et on va aller chercher notre corps. Ah, les soldats arrivent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont là, regardez. Putain, par contre, le zombie master qui m'avait défoncé est toujours là. Putain, vous savez quoi? J'ai une idée. Les mecs, venez voir. Merde, mais ils sont où? Ils étaient là il y a 2 secondes. Hey, les zombies à défoncer, c'est de l'autre côté, bande de trous du cul. Oh là là. On va laisser dans leur délire. Dans leur petit kiff là. Est-ce qu'il a des... What's some nines? Oh bah prends-le mon Stench Killer hein. Mais putain, je t'ai filé ce que tu voulais. Mais fous-moi la paix. Ok pour lui, c'est un super désodorisant que t'as là. Là ça veut dire je vais te tuer et te violer. Ouais bah tu peux toujours aller te faire voir pour l'avoir. Je vais mourir de faim là. Je vais mourir de faim. Oh tiens ça. Ça je vais bien. Par contre ce qu'il me faudrait, voilà, c'est ça. Ça, de la nourriture. De la nourriture. Je m'en fous si c'est avarié, on mange quand même. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort là? Un truc que je dis souvent. Mais bon, c'est vrai. Putain, par contre, eux, ils vont vite, ces enfoirés là. Il
Enfin bon, vous inquiétez pas, quand les zombies viendront les chercher, ils pourront courir aussi vite qu'ils veulent. Ça va... Oh, ça c'est cool. Ça c'est une ration de l'armée. Ça, ça remplit direct. Ça, ça remplit à fond la barre de nourriture. C'est la provision la plus nutritive qui est possible de trouver dans ce jeu. Et du coup, forcément... Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, moi, je vais m'enfermer. Merde, mais allez! Déjà? Ok, bah j'ai essayé de se démerder, moi je vais dormir. Hop. Holler. Ils se sont débrouillés comme des chefs. Ah bah tiens, lui, je vais voir s'il n'y a pas à manger. Shotgun, truncheon. Non, il a pareil, il n'y a rien à me bouffer. Bien, c'est que je récupère, je retourne là où je suis mort et que je récupère mon équipement. Mais bon, à mon avis, c'est trop tard de toute façon. Et... Ah, ça, c'est bien. Ça c'est bien, bon bah je vais larguer ça du coup. Je vais attendre quand même pour bouffer la ration de... La ration de survie. Parce que vous allez voir, c'est très efficace. Oh bah tiens, une bête de cricket. Hop. Ils me disent qu'ils sont en train de nettoyer la zone. Ça c'est bien. Bah tiens, d'ailleurs en parlant. Voilà. Comme ça. C'est fait. Et maintenant, admirez le pouvoir de la ration de militaire. J'ai souvenir quand même que ça nourrissait un peu plus que ça. Dans mes souvenirs, ça nourrissait quand même un peu plus que ça. Beaucoup plus même. Faut croire que je me suis menti à moi-même. Bon, du coup, je vais me mettre à la recherche de survivants. Des canettes de nourriture, moi, ok. Et toi, partage un peu... Boum. Mmh.
Tiens, je me demande si je vais pas dormir là-dedans, là. Hop, dans les égouts. Mais c'est complètement défoncé, et en plus, c'est plein de rats. C'est chiant. C'est chiant, les rats. C'est pour ça que je préfère le mode vintage zombie, parce que... il n'y a pas les trash mobs. Les zombies sont peut-être ultra forts, mais au moins, il n'y a pas les trash mobs qui viennent t'emmerder. Oui, je suis confiant. Hop. Et je viens de croiser mon clone et je viens de croiser les emmerdes. Bon, mais en général, c'est pas une très bonne idée d'engager le combat au corps à corps, mais lui, il va vraiment me faire chier si je le tue pas. Voilà. Allez, je balance. Ça, c'est de la nourriture, ça. C'est de plus en plus rare. Hop. On va l'aider quand même, c'est mon clone. Hop. Ok, on peut plus rien pour elle, il y a un prince zombie. Encore les zombies master, je peux me les faire là, mais le prince zombie... c'est pas la peine d'y penser. Hop, on va se faire un passage. Oh oh. Oh non. Cul-de-sac. Pas bon. Pas cool. Pas glop. Absolument pas glop. Bon, c'est bon, on s'en est sorti quand même. Motorbikes, bah ça tombe bien parce que justement je me casse. You survived another night. Martial art. Ah, it's stamina, tiens. Bon, on va attendre, écoutez. On va attendre à côté d'eux. Oh punaise. Les mecs, réveillez-vous. Hop. Ok. Hop. Bah tiens. Ben voyons, ben voyons. Hop. On va manger ça, cette ration. La caféine, c'est magique. Hop. That was close, thanks for the help. Ne me remerciez pas, surtout que j'ai rien fait. Hop, et on va faire chier ceux qui vivent dans le bunker. À moins qu'il se soit déjà auto-exterminé. Non, ils sont encore là. Mais bon. Plus pour longtemps, après ce que j'ai fait. Parce qu'il n'y a pas de raison que je sois
Le seul emmerdé. On va sprinter là, on va sprinter à la vitesse de l'éclair. La vitesse. Sont où les militaires? Ok, d'accord, ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait exterminer. Ok, bah on va se tailler, écoutez. De la bouffe. Qu'est-ce que j'ai? Ben, je vais jeter ça. Écoutez, encore une fois, désolé. Alors, parce que mon micro est vraiment pas pratique, ces espèces de trucs qui s'accrochent sur les oreilles et qu'au bout de 10 minutes t'as envie de t'arracher les oreilles tellement ça fait mal. Bon allez, écoutez, on va ça, on va. Oh, oh. Oh bah j'ai dégueulé, tiens, en fait, de toute façon. Oh purée. J'ai dégueulé. C'était peu ragoûtant. Bon, on va essayer de se barricader avec la voiture. Parce que ça, c'est très efficace, mine de rien. Parce qu'il n'y a que les zombies master, il me semble, et tous les trucs au-dessus, les zombies princes et les zombies king, qui peuvent pousser les meubles et les voitures. Donc du coup, s'ils n'ont pas de zombies master, on est en sécurité. Et on a survécu une semaine, enfin une semaine en trichant un peu. Mmh. Oh tiens, on va peut-être tuer ce type. Est-ce qu'il a de la bouffe sur lui, il a que dalle? Ouais, non, il a que dalle. Les squelettes qui servent toujours autant à rien. Est-ce que j'ai largué mes munitions, moi? J'ai dû les larguer ici, voilà. Oh bah tiens, il reste un militaire survivant. Je savais pas qu'il était encore là. Oh tiens, la bouffe en conserve. Bah écoutez, on va bouffer les pilules.
Et nous allons nous quitter là. Alors, et donc, au revoir à tous. Et à une prochaine fois dans un cinquième épisode de Rock Survivor.